Bonjour tout le monde et bienvenue ici Sandwich et on est dans une vidéo où on va regarder comment gratouiller quelques kamas. Donc à partir de là, ça commence à être assez intéressant. Je vous ai trouvé un item qui nous permet de, de multiplier nos kamas par 1,5, mais vous allez voir le bénéfice reste quand même vraiment sympa. Je vous propose qu'on découvre qu'on découvre ensemble, pardon, les chiffres tous ensemble tout de suite. Voilà, donc là, en termes de chiffres, on est sur quelque chose d'extrêmement rond, des dépenses inférieures à 200 000 Kamas, un revenu à peu près supérieur à 300 000 Kamas, et du coup des bénéfices un peu plus élevés que 100 000 Kamas. Ça revient à multiplier notre budget par 1,5. Avez-vous des questions Non C'est fantastique je vous propose qu'on regarde ensemble la liste des ingrédients avant de nous lancer. Comme vous pouvez le voir, il y a des ingrédients qui sont quasiment pas utilisés ici. Bon bah pour le coup on va pas les acheter par 10 parce qu'on risque d'être perdant sur le long terme. Ici on a des ingrédients qui sont très utilisés, galets, moisie. bon là le prix a descendu mais il est vite remonté, c'est embêtant. Ici on a par exemple la chaussette trouée de Dramac, là ça fait que de descendre et là je suis bien content. Ici nous avons l'étoffe mystérieuse Donc là ça, ça descend mais c'est quand même une ressource qui est vraiment très très stable pour le coup On peut pas espérer faire beaucoup de bénéfices là dessus Mais du coup euh, on a peu, peu de chances de se faire avoir sur les changements de prix aussi C'est cool Ici nous avons aussi la crinière du rat noir Bon rien de bien particulier euh, Nous avons fait la liste des courses Maintenant tout ce qu'il nous reste à faire c'est d'aller acheter tout ça Pou 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 Os de Mamako à l'ac Bon là pour le coup rien de bien intéressant C'est juste beaucoup moins cher que prévu Fantastique je vais en acheter quelques-unes en, en plus au cas où l'astuce fonctionne du feu de dieu et du coup que je doive la reproduire un peu plus tard. Donc là, le piège, c'est euh, de se dire, tiens, bah tiens, c'est intéressant d'en acheter une centaine un par un comme ceci et de les revendre par cent. Je ne vous recommande pas de faire ça parce que l'os de Mama n'est qu quasiment pas utilisé dans les autres recettes. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas beaucoup utilisé du tout. Donc d'ici euh, que vous trouvez quelqu'un qui veuille vous acheter 100 os de Mama d'un coup, je vous dis bon courage. Le corail haut, le prix n'a pas changé, c'est fantastique. Le sternum de chéché chez chez chauvage, un peu plus bas que d'habitude, bah là c'est plutôt cool aussi, on est content. Bon ça va, après c'est pas des, des économies énormes, hein, évidemment, mais bon, ça reste des petites économies, et on sera content quand on devra multiplier nos 1000 km, euh, éventuellement sauver, euh, les multiplier pour euh, obtenir un petit 40 000 à la fin. Si vous savez pas de quoi je parle, merci de bien vouloir consulter la chaîne, vous allez voir, il euh, y a plein d'astuces qui nous permettent d'arriver à ce résultat, c'est cool le galet moisie, alors là je recommande de les acheter par 10 directement même si vous avez besoin d'un petit peu moins parce que là par 1 euh, on risque de vraiment se prendre une banane les chaussettes trouées de drama qui sont encore en train de diminuer de prix alors là c'est fantastique il y a plus qu'à en profiter un petit peu Étoffe mystérieuse, comme je vous l'avais prévu, eh bien, euh, en effet, le, le prix est vraiment très stable. Il n'a pas beaucoup changé, légèrement quand même, donc on va pouvoir en racheter une bonne dizaine ici. Si jamais vous souhaitez gratter quelques camas en plus, je vous encourage à en vendre euh, quelques-unes, une par une, puisque pour chaque nouvelle étoffe mystérieuse vendue, vous gagnez 4000 camas, ce qui est vraiment pratique. Voilà, bon, nous avons terminé notre liste de courses. Je l'ai un petit peu écourtée quand même, parce que les derniers objets, bon, ils n'étaient pas vraiment intéressants. Bien, nous avons terminé notre petit shopping, c'est l'heure de nous rendre à notre plus bel atelier des sculpteurs, c'est parti Alors là nous allons crafter un super arc et pour le coup nous allons crafter l'arc de flèche mauve. Voilà, fantastique, nous avons notre arc, c'est génial. Je vous propose de découvrir cet objet mystérieux en quelques chiffres rapides. Voici les prix, donc je rappelle, 300 000 camas de vente, un craft qui est... Oula, mais qui est quand même vachement plus bas que ce qui était prévu. Est-ce que j'aurais pas fait une faute de frappe dans mes, euh, dans mes ressources C'est fort possible. Attendez, je vérifie quand même, l'étoffe mystérieuse. En effet, là, il me manquait un zéro. Voilà. En effet, euh, sinon ça, ça aurait été vraiment différent. Voilà qui est quand même beaucoup plus approprié. Donc, un craft quand même qui reste bien inférieur à 200 000 et du coup un ratio à 172%. Désolé pour cette petite interruption. En termes d'historique des prix, voici ce que nous avons de beau. Nous avons un prix euh, de vente qui est en bleu qui a un petit peu chuté. C'est pas vraiment grand chose de méchant puisque ça continue de se vendre euh, quand même et ça reste bien avantageux. Et puis un, cri de, un prix de craft, pardon, qui reste stable si on oublie la petite erreur que j'ai fait tout à l'heure. Rendez-vous à l'hôtel des ventes ou HDV pour les intimes. Et comme vous pouvez le voir, les prix ont augmenté. Donc le prix du dernier, du dernier craft est plus haut. Ça, c'est vraiment pour mon plus grand plaisir. Tout ce qu'on a à faire, c'est nous aligner légèrement dessus. Enfin légèrement dessous, mais nous aligner quand même avec. Comme ça, ça ne fait pas perdre trop de camas euh, à ces braves commerçants qui sont au-dessus. Et nous avons fini avec cette astuce Kama Qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour la prochaine vidéo Est-ce que vous préféreriez plutôt des astuces bas budget, non abonnés, gros budget Plutôt une compilation de plusieurs objets N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire, j'en tiendrai compte au maximum pour les prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine Ciao Bilou